Salut les loulous, c'est Stalexia et Soma sur Subsistance. Bonjour les loulous. Alors, on se retrouve pour le 8e épisode de nos mésaventures. Eh oui. Non, ça va bien se passer. Donc, pour commencer cet épisode, vu que le jour est en train de se lever, on a attendu un peu pour recommencer, reprendre le tournage. On a eu pas mal de petits conseils de plusieurs d'entre vous, alors notamment Dear Mr. Dubs et Raiden de mémoire. Alors sur l'épisode 4, vous nous avez notamment conseillé, enfin ou donné comme indication que quand on posait le lit, alors ça fait déjà pour nous un petit moment qu'il est posé, hein, mais qu'on avait eu un spawn gratuit, et après il faut les acheter effectivement. On m'a aussi dit qu'il fallait viser juste un peu au-dessus du corps de l'animal qu'on visait, notamment les lapins ou les poulets là, pour pouvoir les tuer. Et chose qu'on avait vu aussi la dernière fois, c'est que quand on les avait dans l'inventaire, parce qu'on les tuait pas avec une flèche, ils tombaient inconscients, on pouvait les butcher, donc effectivement on s'en est rendu compte, on pouvait les dépecer quoi. Donc ça c'était good. Sinon quoi d'autre? On nous a dit aussi que suivant le nombre de joueurs qu'on était et vu qu'on avait mis deux de ces machines, il y avait de grandes chances qu'on ait plus de loups et des hunters plus agressifs. Bon de toute façon on s'en était un peu rendu compte, alors, pas encore les hunters mais enfin en tout cas le loups, hunter qui est le plus proche de chez nous, mais les loups oui. Donc on verra bien, et j'avais demandé d'ailleurs si on en enlevait un des deux, est-ce que ça changerait quelque chose? À première vue non, sans être sûr et certain, mais bon voilà. Sachez aussi que quand on tourne cet épisode, on n'a pas vos retours sur les épisodes 5 et 6, donc où on vous avait posé des questions, donc du coup on va faire 100. Sinon j'ai à peu près fait le tour. Il y a Julie aussi qui nous avait dit que ce serait bien si on pouvait tamer les loups. Je suis d'accord avec elle, mais bon malheureusement on peut pas. C'est plus eux qui nous tament, hein, comme Stalexia lui a répondu. Elle a pas tout à fait tort. Il y a un loup là-bas. Ouais, je vais aller chercher la larve là sur le gros nanar. Non, j'y vais. Non, c'est mon arbre. C'est moi. C'est mon arbre. C'est mon arbre. Tu vas prendre une coup de hache? Non. Non mais est-ce qu'on pourrait pas en avoir deux? Je sais pas. J'en ai eu un en tout cas. J'en ai eu une. C'est vrai? Je l'ai eu aussi. Bon ouais c'est bon à savoir. Cool. Bon, on viendra taper à deux. Bah hein. Du coup t'as eu 6 bois et j'en ai eu 6 aussi alors. Ouais. Oh. Ah mais attends, je me pose la question. Attends, je vais taper ce bois, ce arbre tout seul et après tu vas regarder si tu peux le taper aussi. Ouais. Ça veut dire qu'on peut farmer deux fois le même truc, en tout cas pour les arbres. Voilà. Ce serait cool, ça. Moi j'ai fini. Ouais, je peux. D'accord, ok. Bon, j'ai un petit branchage là. Donc l'objectif de l'épisode, je sais pas. Ne pas mourir. Ne pas mourir, continuer à farmer, il faudrait qu'on se trouve du clos. À défaut de pouvoir le fabriquer pour le moment, vu qu'on n'a pas récolté encore nos plantations. Pour pouvoir faire soit le fusil à pompe qu'on nous avait conseillé de faire, ou soit pouvoir, ce serait bien qu'on puisse commencer à se faire des fringues, mais pour faire les fringues il faut du clos, et le clos c'est plutôt rare pour le moment. Voilà. Donc on va aller farmer les coffres. Je vois pas trop quoi faire d'autre en fait, hein, pour l'instant. Sachant que la forge on ne sait pas comment l'utiliser, et que le stockage de puissance n'a pas l'air de fonctionner, ou alors on s'en sert mal, hein. C'est les questions qu'on vous a posées à l'épisode 7 je crois. Ouais, je vais essayer de voir si je retrouve mes arbres. Mais pour lequel on n'a pas de réponse vu qu'on tourne toujours une semaine à l'avance, vous savez que sur la chaîne et au niveau de mon planning j'aime bien avoir une semaine d'avance sur les épisodes. Alors c'est bien pour moi et c'est moins bien pour échanger sur les plus directement sur les épisodes en eux-mêmes, mais bon c'est comme ça. Donc les coffres. Bon, pas grand chose pour l'instant. Je vais chercher des larmes. Ok. Je vais peut-être revenir. Hein. Peut-être ou pas. Là, il a la question. Est-ce que je vais dire? Ah, il y a déjà un ours là-bas. Les nounours encore ça va, tu peux t'en dépatouiller facilement. Faut juste pas tomber nez à nez avec un, mais... Ouais, faut pas se tomber nez à nez après une colline, quoi. Ouais, mais je veux dire, tu le sèmes facilement, contrairement à un loup, le loup, tu le sèmes pas, quoi. Ou alors... Non, t'arrêtes de courir et t'attends que ça se passe.
Tandis que c'est vrai que... C'est vrai que du coup, le nounours, c'est quand même facile. Ah oui, alors on a eu par contre l'info aussi, j'ai oublié d'en parler, ça, pour le Sinew. Ça se loot sur les cougars, apparemment. Alors déjà que les loups, voilà, merci, mais non merci. Ouais, non. Alors les cougars, voilà quoi. Alors si c'est le seul moyen, bah, on n'est pas prêt de faire... Alors, ouais, je sais plus pourquoi c'était, mais on n'est pas prêt de le faire, quoi. C'était pour les... Ah, les panneaux solaires, là, je crois. Ouais, je crois, ouais. Voilà, donc on n'est pas prêt de les avoir. Malgré qu'il y en a qui veulent se protéger derrière moi. À moins d'être mieux armé et mieux équipé. Et ce qui, pour l'instant, on n'y arrive pas non plus. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, je suis arrivé à la rivière. Il y a des trucs autour. Bon, il y a pas mal de plantes ici et de fibres. Ça, c'est cool. Il y en a encore en face. Enfin, je pense que ça en est. Je vais aller voir. C'est vrai qu'on commence à les repérer plus facilement. Il n'y a pas de problème. Ouais. Par contre, j'ai toujours cette espèce de symbole rouge là. Je sais pas ce que ça veut dire sur la pochette. Bah, moi non plus. Merci d'ailleurs si quelqu'un a l'info là-dessus. Alors, ça doit avoir une signification. Ça a l'air mortel, mais bon... Pas pour l'instant. Ouais, du coup, je vais te faire voir où sont les arbres à larves. Oh, bah, là, je suis pas du tout à la base. Non, bah, moi non plus. Non, mais comme ça, si on peut les farmer à deux, ça nous ferait quand même plus de larves, quoi. Bah, je sais pas si ça en est, là, ce... Je suis devant lequel je suis, là, je vais voir. C'est des arbres morts debout. Aux arbres. Ouais, j'en ai là. Ah non, il n'y a que 4 coups celui-là. Pas assez gros. Est-ce que je continue? Ok, c'est pas mal tout ça. Ah non! Attention, hein. Pas vu, hein. Ah, il t'a pas vu. Je vais faire... Non, mais il y a un, un sac. Ah, si je pouvais aussi, on pouvait trouver ce quatrième clos. Au moins pour faire le fusil à pompe, qu'on ait chacun une arme. Ah, Stalexia rencontre un gros souci au niveau du bind de ses touches. Clic gauche, clic droit qui s'annule. Quand elle fait l'un, l'autre s'annule, etc. Du coup, elle peut pas utiliser l'arc. On n'a pas trouvé la solution. Donc... Bon, j'en descends. J'ai pas envie de me faire bouffer. C'est un coffre là sur le rocher. Ah bah oui. Ok. Il est placé bizarrement celui-là. Je ramène mes larves. On a toujours pas de clos. Ça va être très pénible. Alors le clos, on peut en récupérer aussi bien sûr sur les loups notamment, peut-être sur d'autres animaux, hein, mais sur les loups, j'avais réussi à en avoir un, l'épisode où on avait tué deux loups, je crois. Ouais. Donc en le dépeçant justement, alors c'est un coup de bol, hein, ça n'a pas l'air d'être à tous les coups. Mais les loups sont tellement aussi embêtants à tuer que bon. Ah, j'ai une barre de protéines. Oh, j'ai plein de coffres ici. Ça, c'est cool. Alors, j'ai entendu grogner. Ça vient de là, d'accord. Calme-toi, Jean-Michel. Voilà, je suis déjà en train de mourir de faim. C'est cool, comme d'hab. Je parie que c'est la viande. Bon, j'ai pas regardé, mais il y a des chances. Ah si, j'étais dans le rouge. Alors, par contre, je commence à avoir beaucoup de stuff sur moi. Moi, je rentre. Peut-être rentrer avec ça. Je vais prendre mon premier bain. Alors, par contre, je suis du côté du hunter. Alors, je le sais quand je suis de ce côté, je le situe pas bien, en fait. Je vais faire le grand tour. On va quand même l'éviter. Il est vraiment près de loup.
On aurait chacun une arme à feu, on pourrait peut-être tenter d'aller le tuer d'ailleurs, ce... Bah ouais. Ce Hunter, en étant à deux. Deux contre un. On va le faire, non? Ah, on va tenter le lapin. Je tente, hein. Ou c'est un poulet. Tu vas chercher les pruneaux? J'y crois. Je crois que je l'ai eu. Alors j'ai eu un gros lag au moment de tirer, mais je crois que... Oui, je l'ai eu. Ok, donc je récupère dans mon inventaire. Donc j'ai visé un peu au-dessus comme on me l'a conseillé, à première vue, à vérifier hein, bien sûr, mais à première vue ça a marché. Bon, je suis en train de mourir. Moi aussi, mais c'est pas grave. Je suis à la maison. Moi pas du tout, j'ai encore du chemin. Alors, du coup, ça nous fait 5 larves. C'est quoi ça? Ah, le Hunter, il est là-bas. Non, c'est pas ça. J'ai plus de stam. Le bordel parce que sinon je vais me faire engueuler. Ah oui. Ah oui. Il est pas maniaque mais juste un peu quoi. Bah et le Hunter il est bien là-bas ouais. Sa maison avance à vitesse grand V hein, comparé à nous. Ouais on a même pas de toit. Bah le toit on s'en fout un peu, il y a pas de... Non mais je dis ça mais j'ai rien quoi, on a pas de toit. Bah vas-y hein, lâche-toi, hein, fais-toi plaisir, hein, fais un toit. Non mais oh. Je suis architecte moi madame. Mais si. C'est toi l'homme de la maison. Donc, ah non, mais je dois chasser, je dois construire. Et oh, ça va 5 minutes. Ouais. Hein. Je te ramène des larves déjà. Hein. C'est bien. Bon, d'ailleurs, je vais manger un morceau. Moi. Je vais me foutre là. Qu'est-ce que je peux manger? J'ai une barre. Miam. Des baies. Miam. En fait, le problème, c'est que... Ah oui, je vais butcher la... le poulet. Kill. Et butcher. Alors, j'ai eu un gigot de poulet et des plumes. Gigot poulet en approche. Alors juste avant de démarrer l'épisode, on s'est acheté un respawn au lit. Donc du coup, on n'a pas beaucoup d'énergie à la base pour faire des crafts pour l'instant. Vu qu'on ne fait pas vraiment de hors caméra hein, pour l'instant sur le jeu, on stocke pas des de respawn. Le problème de toute façon, c'est si on faisait du hors caméra, bah il faut. On aurait toujours le souci de nourriture et le risque de mourir. Et si c'est pour faire du hors caméra, pour espérer acheter un ou deux respawn, mais qu'on les utilise à chaque fois, bon, voilà, c'est compliqué. Ce qui est, je trouve, dommage en fait, c'est que qu'on joue, ça doit être plus simple à gérer l'énergie d'une base quand on joue solo que quand on est à deux, parce que bah techniquement, faut deux fois plus de respawn et deux fois plus d'énergie, mais malheureusement, on le gagne pas plus vite pour autant, donc voilà. Et le feu de camp est éteint. GG. Bravo. Hein? Bravo, oui, bravo. Je suis arrivé. Attends, j'ai déjà remachiné deux fois, moi. Il aurait fallu le remachiner trois fois. Hein. Est-ce qu'on a des allumettes? Oui. Attends, je range mon bordel. J'ai eu un peu de balles, les circuits électriques, du métal, du clou... de ça et puis bah ici c'est tout. Une petite corde des plantes, un ver de terre, j'ai eu des graines de coton encore, c'est nos... on a deux graines de coton. Bon, on n'a pas les places pour les mettre pour l'instant, mais dès qu'on aura pu ramasser ce qu'on a planté, on pourra les mettre. Alors non, on n'a pas d'allumettes hein. Faut faire un kit de démarrage quoi. Mais non, j'en ai mis des allumettes tout de suite. Ah oui, là. Pourquoi t'as du sang? Ah, c'est le sang du lapin que t'as sur toi. Ah, c'est bien possible, oui. Ah, c'est dégueulasse. Je m'en vais. Voilà. Voilà. Et on va mettre le poulet à cuire. T'as été looté où? En face du coup? À gauche, je suis parti. Je vais en face. Ok. Alors par contre, j'aimerais bien tester un truc dans cet épisode. Ce serait un gros, comme on avait fait un peu là, un loup à la maison, et voir si on peut tirer à travers les fenêtres. Ah ouais? À l'arc. Bon, j'ai plus 50 flèches non plus, et j'en ai plus que 3 ou 4. 4. Il y a peut-être moyen d'en faire. On en a en stock. Oh merde. Non. On n'a pas.
On a 12 plumes. Bah normalement 4 flèches ça fait le taf sur un loup. Attendez. Au moins on saura ce qu'il en est. Bah après faut la grosse hein, qui nous défonce le cul quoi. Tu fais ce que tu veux. Même, on le fera je pense quand il y en aura un peu plus proche parce que là ils sont pas à côté en fait. Du coup. J'aimerais faire un peu de bois sur moi et puis on va aller farmer dans le coin. Continuer à essayer d'avoir ce quatrième clos là. Ça t'a rien qui est cuit. Bah prends là. Bon ça va aller. C'est toi qu'il faut pas qu'il meure. Moi ils ont l'habitude. Bon allez, je vais nager. J'espère ne pas mourir. On avait testé la pêche, je me rappelle même plus parce qu'on avait fait la canne à pêche. Oui, t'avais eu un souci avec les asticots. T'avais eu un souci de reprendre. Tu peux tenter, il y a 5 larves. Je veux du saumon. Ouais, je vais tenter. Je sais plus c'était quoi le problème en fait. Je me rappelle plus. Je crois que t'avais pas dû cliquer pour récupérer le poisson assez vite, si je me souviens bien. On va retester parce qu'on nous avait dit que c'était une bonne source de protéines, hein, le poisson. Donc, Ah ouais. Non, c'est pas là. Bon, me connaissant, j'avais pas dû comprendre le système, hein, de toute façon. C'est quoi ça? Ça, c'est de la graisse, ouais, c'est pas de la viande, ouais, non. Les larves. Il faut ça. Je sais pas comment. Ah oui non, il fallait crafter. Ah oui, il fallait crafter la ligne avec ouais. Oui. Faut que je fasse le craft. Bah je vais faire les 6 hein, en espérant que. Oh oh. Alors il faut quoi? J'ai un clos. Ah bah nickel. Je reviens tout de suite. Ça, si je meurs, je m'en voudrais pas. Un stick. On va faire tout ça. Ne meurs pas dans l'eau. Ok. Ah bah, je vais faire le fusil à pompe du coup. Comme ça je te laisse le flingue avec les balles. Et je prends le fusil à pompe. On a 11 balles dans le coffre de flingue, 11 balles de pompe. Et sur le flingue moi il est chargé complètement. J'ai 7 balles dans le chargeur. Du coup, lui je le mets là. Et du coup là faut tirer au-dessus aussi. Fusil à pompe, il me faut donc les clos, il me faut quoi d'autre? 5 planches et des trucs comme ça. 5 planches. J'en prends les autres clos. Ok, bon, je suis en train de faire plein de craft du coup. Faut que j'attende. Tu l'as eu dans quoi? Dans un coffre le... Ouais. Dans un coffre, bah juste en face, là, le premier coffre que j'ai. C'est pas souvent. Hein. Non, bah c'est pour ça que je me suis demandé ce que c'était. J'ai dit hop, là, je le ramène tout de suite. Et là, je sais pas. Où est-ce que tu les ranges? À gauche, j'ai pris les autres. Mets dans le coffre de gauche. Ou jette les moi par terre comme tu veux. Non, mettrai dans le coffre. Ok, bon bah j'ai un paquet de craft en attente. Faire du bois en attendant. Craft. Ah, il y a une caisse devant la maison qui a pop. Mais c'est moi où il consomme dur le bois aujourd'hui. Bon, c'est comme d'hab. Ah bon. Bon, bah comme ça, je peux mourir au moins. Ah, j'ai encore une bestiole là. Je t'ai mis le pistolet, hein. Ah oui, je t'ai mis le pistolet.
Ah, je l'ai eu aussi. Ça marche. Ah, tu vois. J'ai un gigot de lapin maintenant. Ouais. Et j'ai eu un close sur le lapin. Ah bah tu vois. Quand tu veux. Non mais on va se calmer, oui. Bah je mets le lapin à cuire puis tu le mangeras vu que j'ai mangé le poulet. Poulet, le poulet. Je plaisante. Voilà, on va ranger le close. Tac. Ah, tous mes crafts sont finis, donc je repose la planche. Je repose les sticks, les cordes, ça. Ouais, ça aussi, j'en ai 5, ça ira. J'ai le fusil à pompe. Voyons voir. Oh yeah. Non, c'est pas moi. Ah, c'est un pompe automatique. 5 cartouches, d'accord. Pas mal. Donc ensuite, les cultures, on en est où? Ah, on a une médicinale qui est quasi finie. Il manque pas grand chose. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bon, le pompe, c'est vraiment pour soit affronter le hunter, soit les loups. On est d'accord. Et puis bah, je vais me faire d'autres flèches, comme ça quand je croise une petite bête, avec un peu de chance, j'arriverai à chaque fois à la tuer. Du coup, moi avec le pistolet, je vise un tout petit poil au-dessus aussi. Non, non, le pistolet, normalement tu vises ta cible. Hein. Enfin, après, j'ai eu du mal aussi avec le pistolet. Hein, donc. Je t'avouerai qu'en général, j'ai du mal. Faire des flèches, c'est plumes, sticks et clous. Ah ouais, il faut quand même des clous pour faire des flèches. C'est original. Il y en a dedans. Ouais, ouais, non, mais... C'est pour faire la pointe. Bah, c'est vrai qu'on ferme pas de pierre sur ce jeu, donc... Non, ça lui manque. Il aime bah, ouais, pierre, quoi. Mince, j'ai pas pris, là. C'est pas ça, c'est ça. Alors, okay. Je vais me faire... Donc ça se craft par... je sais plus, on va voir. C'est pas rapide, en plus. C'est pas... Il me semblait que c'était marqué ou je confonds avec un autre jeu par combien ça se craftait. Ah, il reste 3 flèches. Ça se craft par 2. Ok. Voilà, on va s'en faire 9. Ok, ok, ok. On va refaire du bois. Ah, c'est ça que je cherche. On regarde tous les combien on peut taper sur les arbres aussi. Tous les jours. Tous les jours in-game ou... Ouais, tu in-game, ouais. Voilà, ça c'est fait. Ah, il y a un loup là. Faire gaffe, il y a un loup sur la plage côté gauche. Ah, pas de suite à la maison, oui. Mais... Un petit peu qu'il est là. Je commence à les repérer. À chaque fois que le jeu fait une sauvegarde automatique, ça fait un petit coup de frise. Je vais me baigner. Ok. Alors je retourne en face. Je sais plus s'il y a des gens. J'ai fait du bois, comme ça je vais relancer des planches. On n'a plus trop de planches. Et je vais surveiller le feu de camp. T'as pris ton gigot de lapin? Ah, il a mangé. Parfait. Il manquait un peu de pruneaux, mais bon. Ah bah, on peut pas tout avoir, madame. Ah, moi je veux des pruneaux. Maintenant. C'est bon, les pruneaux. C'est comme
Alors, au niveau des jauges, on est comment? Ah, il faudrait que je mange de ça. Voilà, ma jauge est vide. C'est rare qu'elle est vide, celle-là. Laquelle? La truc de fruits et légumes. Ça va manger du pipé? J'ai mangé 2 baies. Je n'ai plus. Et on va ranger tout ça. Là, les bûches, je les gardais. Bon, on va les pêcher aussi. Au départ, je voulais pêcher. Ouais. Trop de trucs à faire dans ce jeu. Et qu'un pistolet, mais toujours peur des loups. Alors, est-ce que ça va me... Comment ça avait marché ça déjà drop? Je vais mettre ça là à côté. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça, voilà. Pas la pioche, toi. Faut que je le ramène et que je clique au bon moment. Ok, j'ai rien compris encore une fois. J'ai eu le bouchon s'enfoncer, je me suis trompé de clic. On recommence. À première vue, il n'y a pas besoin de ramener la ligne pour que ça morde. Faut juste cliquer, je pense, clic gauche quand le bouchon s'enfonce, quoi. Je vois que ça. Ah, bon. Ouais. Et pas se tromper de clic en fait. C'est plus facile dans All Your Own. Hein. J'ai testé la pêche dans All Your Own. C'est vachement plus simple. Voilà, je le. Ça a mordu. Et maintenant, je ramène. Je crois que j'ai compris. Ah. Ok, c'est clic gauche pour le ferrer. Enfin pour l'accrocher on va dire, et après on ramène avec clic droit et on fait E. Et j'ai eu un poiscaille. Ok, bah je vais faire mes trois autres. Trois autres avant qu'il fasse nuit, je vois il pue le bouchon. De toute façon moi j'ai pas trop de temps. Parce que. D'accord. J'ai compris là, le système, ça y est. Ah ouais, de la fricassée de poisson à manger. Yes. Ah, par contre, voilà. Parfait. Je vais pas rêver la deuxième fibre quand même. Peut-être. J'ai dû la rêver. Non, là, là, là. Avec le soleil qui baisse. Ouais. Je sais pas si je pourrais faire mes deux derniers appâts. Là, j'ai fait l'avant-dernier. Allez, enfonce-toi. On va pas y passer la nuit. Non, c'est il va faire nuit. Ouais, mais j'aimerais bien que... Laisse une pomme. Oh, putain, le lag encore avec la sauvegarde. Ah, il a frissonné le bouchon, il s'est pas enfoncé, il frissonne encore. Oh, ça, oh, ça fait un petit remous dans l'eau, tu sais. Bah, tu me feras voir ça tout à l'heure. Là, je vais rentrer. Ça. Allez! Attention, il y a un gros poisson qui va arriver. Ah, je sais pas, mais... Voilà! Je l'ai eu! Ça a l'air d'être toujours les mêmes, hein, les poissons. Est-ce que je fais le dernier? Je vais pas faire le dernier parce qu'il commence vraiment à s'assombrir. Je voudrais pas le louper parce que je vois pas bien le truc. Bon, je vais mettre les poissons à cuire. Du coup. Ils sont là. Alors ça rend quoi, ça? C'est tous les mêmes. Hein. Ça rend 8 de protéines.
6 à la fin, 1 aux fruits et légumes et moins 1 à l'hydratation. Bon, ça paraît logique. D'ailleurs, en parlant d'hydratation, on va refaire. Je vais boire deux gourdes et puis on va les re-remplir. Tac. Et quand les poissons seront cuits, on remettra ça au feu. Bah, du coup, au lever du jour, moi j'irai faire mes deux arbres à. Ok. Je te laisserai celui devant la maison. Alors, les sardines sont cuites. J'arrive. J'arrive d'ailleurs. Alors, mec, tu bois. Voilà. Les sardines. Je mets dans le coffre avec les baies, tout ça. Ok. Ok, voilà. J'irai mettre Nick. Je vais mettre ça là aussi pour l'instant. J'en ai plus besoin. Pas envie de le perdre. Et je ramène du. Je sais pas quoi, là, les bouteilles chaudes. D'accord. Alors bah maintenant qu'on est bloqué à la maison comme d'hab hein, vu qu'on peut pas sortir la nuit, on va regarder ce qu'on pourrait faire de nouveau. Maintenant qu'on doit avoir voilà, alors toujours ce problème de l'énergie qui monte pas jusque 1000, pourquoi? Voilà, that is the question. Hein, on n'en sait rien. Donc on avait fait la dernière fois la raffinerie. On pourrait voir peut-être pour se faire le nouveau feu de maison, là, feu de camp. Enfin c'est pas un feu de camp, mais c'est une espèce de cheminée. Je sais pas comment appeler ça. Bon, s'ils disent que c'est une pour source de chaleur. Cuisiner la nourriture, alors attendez. Cuisine la nourriture, garde warm and render. Into biofuel. Ah, on peut transformer la graisse en biofuel là-dedans. Et plus efficace que le campfire. Donc on a tout ce qu'il faut. Ah non, il nous manque de cloths. Ok, j'ai rien dit. Et les cultures, ça avance pas. Oh, il va falloir remettre du fertilisant. Je m'en occupe. Quasiment plus. Split half, on va voir en mettant ça ce que ça donne. Ok, voilà, ça marche. Le reste des cendres, on va les mettre là. Non, pardon. Hop, les balles ici. C'est pas mal. Du coup, vu qu'on n'a pas le clos qu'il nous faut, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc les lumières, on s'en fout. Le générateur, on l'a, on s'en sert pas. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça on pourrait faire ça, mais si ça fait comme celui-ci, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, on va passer. Ah là, il y a la fameuse workbench. Ah mais il nous faut 750 d'électricité, on n'arrive pas à dépasser les 500, hein, malgré qu'on a un max de 1000. Donc on peut pas la faire. On peut pas se développer pour l'instant et on sait pas trop pourquoi. Le problème c'est que le power storage qui nous a amené potentiellement 500 de plus, il n'y a pas plus d'explication. C'est stocker la puissance générée within your base. Within, je ne sais plus trop ce que ça veut dire, mais de notre base, quoi, avec notre base, quoi. Ou à l'intérieur de notre base, ou un truc comme ça. Donc on est censé stocker 500 de plus, mais une fois arrivé à 500, ça va pas plus loin, quoi. Pourquoi? Alors que ce truc là, il n'y a pas de bouton power on off. Hein. Voilà, il est alimenté, capacité 500, donc il est censé amener 500 de plus. Mais ça ne marche pas. Merci le jeu d'être très, très clair dans les trucs. Bon, c'est pareil que, enfin c'est con à dire, hein, mais c'est pareil que, voilà, que la raffinerie. Hein, la raffinerie, on ne sait pas s'en servir quoi. Il y a, à première vue, un truc à mettre là, mais on n'a pas trouvé quoi. Qu'on la tourne on ou off, ça change rien. On peut couper ou activer ce petit symbole, là. Voilà, et puis bah nos minerais, voilà, ils s'en foutent complètement, le truc. Là, pour lui, il considère qu'on n'a pas de puissance. Puissance par seconde, 0. Voilà, on a essayé de mettre différents types de bois. Je crois qu'on a essayé de mettre le biofuel aussi, ça ne marche pas.
Moi j'ai pas d'idée, hein. Je suis pas devin. À manger un poisson. Ouais, je suis pas devin. Je vais réessayer ça parce que je suis pas sûr à 100% qu'on l'avait fait, mais. Bon, ça fonctionne pas. Pas du tout. Je comprends pas. On attendra encore une fois de plus, vu qu'on va tourner le 8 et le 9 dans la file, là on n'aura toujours pas vos explications pour ceux qui connaissent l'astuce, hein, donc on sera obligé d'attendre l'épisode 10, malheureusement. On va prendre un peu de bois pour recharger le feu. Voilà. Moi je peux encore en mettre 3. Je fais un stack de 3 mais je le prends pas. Ah là 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 là. La fuel brick, tu l'as essayé? Non. Ça avance plus de nuit. Alors comment on l'a fait? On peut tester, hein, de toute façon au point où on en est. Bah, c'était dans quoi ça? Dans la pioche. Ah ouais, 10 fibres. Oh. Il y en a des fibres. Et la fuel brick, c'est juste pour dire que ça, c'est plus efficace que le bois, quoi. Ouais, donc, non, le bois ne marche pas dans la raffinerie. Ah, bon, je peux en faire une, hein, de toute façon, c'est pas... Non, mais... Ah si, je peux en faire une, on en a pas fait. Ouais, parce qu'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de... un machin à base d'essence, peut-être. Attention, je reste Alexis à réfléchir. Ça fait une méchante. Bah, je sais pas. Après, ça on peut pas le faire, ça encore moins. Bouteille jaune, t'as essayé? Ouais, bouteille jaune, j'ai essayé. Ouais. Il va faire jour. Ouais, bah voilà, ça marche pas. Les poissons. Ah, ne marche point. Voilà, on a une brique. Bah quand le feu de camp sera quasiment mort, on pourra l'utiliser dedans. Hein. Je suis pas sûr que ce soit très rentable dans un feu de camp, mais bon. Je la mets dans le coffre de droite, la brique. T'es dans le gauche. Ouais. Avec les cendres. J'ai pris un poisson. Oh bah oui, t'as bien fait. Hein. Ouais, le jour se lève. On va aller faire l'astico qui est là. Bah de toute façon, tu peux le faire aussi. Hein. Ouais. Je vais repêcher. Du coup, je vais refaire deux hameçons. Je vais faire les deux autres aussi. C'est surtout que j'ai pas d'idée pour faire fonctionner ces trucs. Bah non, je vois pas non plus. Puis c'est le problème, c'est ça quoi. Sans workbench, on va pas avancer plus qu'on ne l'est quoi. Enfin. Bah non. En dernier, on va être bloqué. Du coup, j'ai mes malarves là. Je vais chercher les. Bah de toute façon, les deux autres, ils sont sur le. Espèce de rivière là qui descend, espèce de cascade. Quel côté? À notre gauche là? Ah. Ah. D'accord. Bah moi je vais faire. Jette-moi ta larve s'il te plaît. J'ai allé pêcher deux poissons. On fait déjà pour jeter. Je fais ça. Voilà. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié ça. Et pour faire bon, ça. Allez. Déjà... Je vais aller voir mon nounours. Deux sticks de corps. Ah, il y a lapin à la maison. Je vais voir Martin. Ça marche. Nickel. Je reprends la canne. Hop. Toi. Ça va. Énergie, parce que là on peut pas transformer notre métal qu'on trouve, on peut vraiment rien faire quoi. C'est c'est frustrant en fait de pas pouvoir avancer parce qu'on comprend pas le fonctionnement des trucs, c'est pas intuitif pour un sou quoi. Ou alors c'est flagrant comme le nez au milieu de la figure, mais
quand même, on aurait vu à deux. Bah, de toute façon, pour le truc de stockage de l'énergie, c'est juste un stockage. Il est censé stocker, il stocke pas. Donc bon, comme je disais, il n'y a pas de bouton on-off. Le truc, il est bien placé, il est alimenté, donc... Je sais pas, je sèche. Ouais, et puis la raffinerie, j'avais essayé tout ce qui était à base de bois la dernière fois, donc ce aurait pu être des planches, ça aurait pu être du bois transformé, mais ça fonctionne pas. Donc... Je sais pas. Bon, du coup, je pêche, voilà. Pêche petit. Je vais chercher des asticots. Ouh, je l'ai pas lancé loin celui-là. Hey, petit poisson. Voilà, deux de plus. Ok. Allez, ça au feu. Ah, j'en ai eu un plus gros. Ah. Ouais. Ah, je peux pas. Ah, on peut pas le cuisiner dans le petit feu de camp, par contre. Eh ben, on va le stocker, c'est pas grave. Cru il donne cru et quand même il donne 17 de protéines, 16 de sur la faim et un de fruits et légumes. Mais moins 5 à l'hydratation. Cuit, je pense que ça va être une belle bête. Mettre là. Hop là. Du coup, je vais ranger la canne. Je garde une larve d'avance, on sait jamais. Ah mais j'ai encore un crochet, je vais refaire un autre poisson. Est-ce que t'es cuit toi? Oh ça cuit vite le poisson Sky. Hein. Je vais mettre du bois. C'est chiant par contre qu'on puisse pas splitter par le chiffre qu'on veut. Parce que... C'est pas grave. On commence à avoir l'habitude, les loulous. Il y avait une caisse. Ah d'accord, pourquoi pas. J'arrive pas à remonter mon énergie. Allez, on stoppera l'épisode sur ce dernier poisson. Ah, ça y est, je meurs de faim de quelque chose encore une fois. Ça veut pas mordre? J'ai asséché le lac de poissons. Déjà. C'est une plaisanterie, je traverse, il traverse. Allez. Je veux ma deuxième larve. C'est de la patience. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va acheter un autre spawn de lit au cas où? Je pense, oui, vu qu'on peut pas faire de craft, on peut même en acheter deux, je pense. Mais là, je peux pas, je peux pas quitter. Je suis. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est savoir si on en a d'avance ou quoi. Ouf. Ouais, oui, on en a un là et je peux, on peut en racheter deux, hein, autant les dépenser. De toute façon, on peut rien craft, donc je vais rejeter un œil au craft avant de. Ok, ça c'est fait. Viens les faire ma larve. Je revérifie vite fait les crafts, mais le sofa on s'en fout, les lockpicks on n'a
pas de fragment de fer. Le marteau, c'est pour réparer les trucs endommagés, donc on s'en fout. Les panneaux solaires, on peut pas. Animal housing, c'est pour farmer les bestioles. Mass fabricator, donc fabricateur de masse, on s'en fout. Le recycleur, recycler les items en masse, on s'en fout. De toute façon, on peut pas les craft, on n'a pas l'énergie suffisante. Donc après ouais, ça c'est quoi? C'est la cuisinière. Non, c'est bon, je vais acheter des respawns de lit. Allez. Voilà. Parce que je dois bien aller faire mon arme, mais avec le loup, là, je suis pas sereine. Et je peux pas en acheter un deuxième. Pourquoi? Ah, parce que c'est 350 le risque. Je crois que c'était 250, ça marche. Allez, une sardine. Hop, à cuire. Et puis voilà, bah, du coup, on va se quitter là-dessus, les loulous. De toute façon, on va enchaîner avec l'épisode suivant, hein, à la suite. Donc j'espère que ce dernier vous aura plu. Et puis, bah, on vous dit à la prochaine. Allez, ciao! À bientôt, les loulous!